comme du temps a passé depuis les dernières séances, on va repréciser les énoncés. Et puis les deux dernières séances, donc aujourd'hui et la semaine prochaine, seront consacrées à cette démonstration que j'annonçais dès le départ, un théorème de Lévi-Gromov non lisse. Donc le but de ce qui reste, c'est le théorème qui suit. Cavalletti Mondino. Soit x d nu, un espace métrique mesuré vérifiant la condition CD star de Kn pour K strictement positif et n appartenant à n, alors pour tout sous-ensemble borélien de X, on a, alors on va lui donner un nom, A de X, on a, alors je vais écrire ça comme ça, nu plus de D rond A sur nu de X, supérieur ou égal à D rond B divisé par SKN. Ouh. SKN est l'espace modèle SN de R avec R égale pi racine de N-1 sur K. Et l'espace modèle, hein, courbure sectionnelle constante avec une courbure de Ricci qui coïncide avec K fois la métrique. Et B est une boule dans SKN vérifiant que B sur SKN est égal à nu de A sur nu de X. Voilà, 2015. En d'autres termes, la fonction isopérimétrique associée à X est supérieure ou égale à la fonction isopérimétrique Kn associée à SKn. Donc, profil isopérimétrique de SKn. Alors, remarque. Espace métrique, pardon, j'ai oublié une hypothèse ici. Ici, il faut rajouter une hypothèse. Essentiellement non branchant. Ok. Donc, on rajoute ici essentiellement non branchant comme hypothèse, et puis on verra ce que ça veut dire plus tard. Alors, remarque. Ce théorème s'applique, par exemple, à tout espace RCD étoile de Kn, idest, un espace tel que, à la fois on a la condition de courbure dimension Kn, et en plus, on a que l'espace de Sobolev W1,2 est un espace de Hilbert. Par exemple, un espace d'Alexandrov fera l'affaire.
Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque. Si XD nu est une variété riemannienne lisse avec nu égale volume, on retrouve le théorème isopérimétrique de Lévi-Gromov. Le tout est de le faire et de faire une preuve sans régularité. Et puis, remarque suivante, on peut aussi généraliser à toute valeur de n supérieur ou égal à 1, pas forcément un entier, et k appartenant à R, éventuellement k négatif, en incluant, en ajoutant une contrainte de diamètre avec un D strictement positif. Et dans ce cas, on obtient les profils isopérimétriques généralisés qui ont été étudiés par Emmanuel Millman. Et n'est-ce pas, dans ce cas-là, il faut regarder I KND de alpha est égal à l'inf des, on va noter ça comme ça, volume de la frontière de A pour A inclus dans R, nu de A égale alpha, nu mesure de probabilité sur 0D, nu est égal à une certaine mesure de probabilité multipliée par la mesure de Lebesgue, et celui-ci vérifiant une condition que je vais noter ici CD star KN en dimension 1, et on verra plus tard pour la définition précise, en tout cas on peut se ramener à la dimension 1. Bon, et puis dernière remarque, il y a rigidité au sens où on peut caractériser les cas d'égalité. Ok, donc ça c'est le but de cette séance. Et la séance suivante, comprendre comment on démontre ça. Et notre plan sera le suivant. Premièrement, on va définir ce que c'est les espaces CD étoile KN. Deuxièmement, les propriétés élémentaires. Troisièmement, un exemple simple qui sera le critère CD0N. Quatrièmement, comment passer du local au global et ce qu'on va appeler le dilemme de la direction manquante. Cinquièmement, méthode de localisation KLSK.
Kanan Lovas Simonovitz Klartag. Sixièmement, partition MK1 pour Monge-Kantorowicz, problème d'ordre 1. Septièmement, localisation de la courbure, localisation de la condition de courbure. Huit, la preuve donc de ce qu'on va appeler du théorème de Lévy-Gromov non lisse. Quelques généralisations. Et puis les cas d'égalité, rigidité. OK. Tout va bien? Eh bien, on va se lancer dans les définitions. Il me faut une brosse. Voilà, hop, et voilà. Alors, premièrement, espace non lisse CD étoile KN. Définition. Soit XD un espace métrique géodésique compact avec une mesure de Borel finie sur X. On dit que XD nu vérifie CD étoile de KN si, quel que soit mu 0 et mu 1, deux mesures de probabilité sur X avec support de mu i inclus dans support de nu, on a il existe mu t compris entre 0, t compris entre 0 et 1, géodésique dans l'espace de Wasserstein P2 de X, tel que. Ah oui, et il existe. Ok, if you want. MK2 space, whatever. But the solution of the problem of minimization with second, with quadratic cost. Quadratic cost. But indeed, at some point here, we will use the cost, which is distance. There will be the two costs used in the proof, distance and distance square. Et un couplage pi de mu 0, mu 1, associé tel que. Alors, d'abord, je précise que c'est couplage pi de mu 0, mu 1 associé. Ça veut dire, d'abord, on regarde W2 de mu 0 de mu mu prime égale inf de l'intégrale double de distance de xy carré pi de dx
d'y, parmi toutes les mesures pi, telles que la, on va appeler ça comme ça, la première projection de pi est égale à mu, et la deuxième projection de pi est égale à mu prime. Et puis on prend la racine carrée de tout ça, avec E0 de x, x prime est égal à x, E1 de x, x prime est égal à x prime. Donc le coût de Monge-Kantorowicz d'ordre 2, et puis ça, ça définit une distance, et puis ça définit une distance sur les mesures de probabilité sur x, et quand à partir du moment où j'ai le concept de distance, j'ai le concept de géodésique. Bon, donc là on comprend. Maintenant, reste à savoir ce que ça veut dire quand je dis qu'il y a un couplage pi qui est associé. Ça, ça veut dire ici qu'il existe grand pi, mesure de probabilité sur les géodésiques de x, tel que, d'une part, quand je regarde l'évaluation au temps t, et que je fais la mesure image de pi par ça, j'obtiens mu t. Et d'autre part, quand je regarde E0, E1, mesure image pi, j'obtiens pi qui est un couplage optimal. OK. Donc, quand les trois objets, pi, mu t et grand pi, vont ensemble, et grand pi contient les uns et les autres, et on dit quand on a ça que mu t et pi sont associés. OK. Alors un couplage pi de mu 0 mu 1 associé tel que pour tout u appartenant à la non-linéarité, déplacement convexe d'ordre n, l'espace non-linéarité, et pour tout t appartenant à 0, 1, unu de mu t est inférieur ou égal à 1 moins t u. Alors ici c'est pi nu bêta 1 moins t étoile kn de mu 0 plus t u pichetch nu bêta t kn de mu 1. Et on va préciser les notations. Alors, unu de mu est égal à l'intégrale de u de rho de x, nu de dx, plus éventuellement la partie singulière de mu qui est multipliée par la valeur de la dérivée de u à l'infini. Ça, c'est limite de u' de r quand r tend vers l'infini. Donc ça, c'est pour expliquer ici. On est en train essentiellement de prendre l'intégrale de u associée à la appliquée à la densité, et puis u pi nu bêta de mu est égal à l'intégrale double de u de rho de x sur bêta de xy, bêta de xy, pi de dy sachant x, nu de dx, plus u prime de l'infini, mu s de x. Autrement dit, c'est la même chose, mais il y a un coefficient de distorsion qui dépend de ce qui se passe entre le point X et le point Y. OK. Alors, et puis on continue. DCN, c'est l'ensemble des fonctions U allant de R dans R, convexe, avec U de 0 égale 0, qui vérifie que
s puissance n u de s puissance moins n est une fonction convexe de s. Et typiquement, c'est la fonction u de r égale moins nr 1 moins 1 sur n. On a presque tout défini. Quand j'écris pi tchetch, c'est s mesure image pi ou s de xy égale yx. C'est juste une façon de dire qu'on échange les deux variables. Et puis, il reste juste pour comprendre, pour que tout soit défini dans la définition, ici j'ai oublié l'étoile, définir les coefficients bêta étoile knt de xy est égal à sinus t racine de k sur n distance de xy divisé par t sinus racine de k sur n distance de xy. Tout ça à la puissance n. Alors, on va commenter. Donc, idée. Donc, ça, c'est une version intégrale avec des mesures de proba de l'idée que quand on regarde l'ensemble des géodésiques qui relient un mesure mu0 ou un ensemble A0, disons un ensemble A1, eh bien l'ensemble des points intermédiaires va être assez gros. Volume minoré. Donc ça, c'est la première remarque. Et puis, on va voir plus tard plusieurs reformulations, mais déjà un cas particulier. Si k égale 0, cela se simplifie en unu de mu t inférieur ou égal à 1 moins t unu de mu 0 plus t unu de mu 1. Alors, on ne sait pas dire grand-chose. On ne sait pas aller très loin dans l'analyse des espaces. Sans hypothèse de non-branchement. Alors, on va faire des hypothèses de non-branchement. Qu'est-ce que c'est le non-branchement ? Définition, xd est non branchant si deux géodésiques gamma, gamma tilde, coïncident sur un intervalle ST non trivial coïncide sur l'intersection de leur domaine de définition, sur
sur tout, on va mettre qu'elles sont sur 0,1, sur tout 0,1. Soit encore, il est impossible d'avoir une configuration comme ça avec gamma et gamma tilde qui coïncident sur un espace non trivial. Autre définition possible, si gamma et gamma tilde sont deux géodésiques tels que gamma 0 égale gamma tilde 0, gamma 1 égale gamma tilde 1, gamma 1/2 égale gamma tilde 1/2, alors gamma égale gamma tilde. Variante qui est exactement pareille pour ce qui nous intéresse. Autrement dit, impossible d'avoir ça. Avec une géodésie gamma ici, et puis gamma tilde ici. L'hypothèse de non-branchement, elle va être très utile pour pouvoir localiser les inégalités sur des géodésiques. Quand on a le non-branchement, on va pouvoir partir des inégalités intégrales et désintégrer pour obtenir des inégalités sur les géodésiques, et puis vice-versa, réintégrer des inégalités qui sont vraies sur les géodésiques pour obtenir des inégalités intégrales. Avant de continuer, on va expliquer ce que ça veut dire essentiellement non-branchant. Définition xd nu et xd est essentiellement non branchant si on peut trouver un sous-ensemble, comment on va l'appeler, gamma des géodésiques, tel que ce sous-ensemble est non branchant. Et tout grand pi, comme celui qui apparaissant dans la définition, hein, le grand pi qui est mesure de proba sur l'espace des géodésiques, est supporté dans gamma. Autrement dit, si pour toutes sortes de calculs, on peut supposer qu'on n'a que des géodésiques non branchantes. Autrement dit, si pour tout ce qui relève du transport optimal, on peut supposer qu'il n'y a pas de branchement, quitte à jeter des ensembles négligeables. Bon, donc ça, c'est la définition. Alors, notre job, c'est de montrer, sans rien supposer d'autre, et en particulier aucune hypothèse de régularité, qu'on a une inégalité comme celle-ci, inégalité de Lévi-Gromov. Alors, on va commencer par les propriétés élémentaires. Alors, premièrement, même si je ne vais pas le faire ici,
cette définition est stable par topologie de Gromov-Hausdorff mesurée. Si xk, dk, nuk converge vers xd nu et que chaque étape est cd étoile kn, alors celle-ci sera cd étoile kn. Deuxièmement, si xd égale variété riemannienne lisse, on retrouve le classique CDKN lisse qui se dit Ricci plus Essienne de V moins grade V tenseur grade V sur grand N moins N supérieur ou égal à KG, où G est la métrique, N la dimension, la vraie dimension de la variété, et grand V est tel que nu est égal à exponentielle moins V fois le volume. On garde ça en tête, on ne s'en servira pas. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de travailler juste sur la partie non lisse. Alors, sans perte de généralité, on peut normaliser la mesure nu pour avoir nu de x égale 1, donc en faire une mesure de proba. Et puis, toujours sans perte de généralité, on peut supposer que le support de nu est égal à x tout entier. C'est assez facile à traiter. L'idée, c'est que si le support de nu est plus petit que l'espace tout entier, on regarde le sous-espace qui est constitué par le support de nu. Étape suivante, première étape de tout traitement, c'est le contrôle du volume. Étape suivante, on va démontrer Bishop-Gromov dans ce cadre généralisé en disant que pour tout x0 appartenant à l'espace, on a d'abord la mesure de la boule ouverte de rayon R de centre x0 est égale à la mesure de la boule fermée de centre x0 de rayon R. Hein, là, je mets comme ça la boule fermée. Et que nu de BR de x0 divisé par intégrale de 0 à R de SKN de T dt est une fonction décroissante de R avec SKN de T est égal à sinus racine de K sur N moins 1 T, et puis tout ça à la puissance N moins 1. Ça, c'est pour K strictement positif, étant entendu que pour K égale 0, ça serait T puissance N moins 1. Et puis pour K négatif, on aurait la même chose, en mettant un sinus hyperbolique à la place du sinus. Alors, comment on démontre ça? On va faire juste le cas où k égale 0, les autres cas étant similaires, mais juste un peu plus compliqués. Exemple k égale 0.
Donc on se donne x0. On veut montrer que nu de BR de x0 divisé par r puissance n est une fonction décroissante de R. Et pour ça, on va regarder la configuration suivante. Ben, on va poser mu0 égale masse de Dirac en x0, et puis mu-R, mu1, égale la mesure restreinte à la boule, donc 1 fois la boule, la fonction indicatrice de la boule de centre x0 de rayon R, divisé par nu de BR de x0, et tout ça multiplié par nu. Alors je note pareil, B de x0 R égale BR de x0. Bon, et on va appliquer, et on applique l'inégalité, unu de mu t inférieur ou égal à 1 moins t unu de mu 0 plus t unu de mu 1. Et on va prendre u de r est égal à moins r puissance 1 moins 1 sur n. OK. Alors, évidemment que u' de l'infini est égal à 0. Donc, quand j'applique unu à mu 0, qui est une masse de Dirac, il me reste 0. Quand j'applique unu à mu 1, maintenant, on va regarder ce qui se passe. Donc, unu de mu 0 est égal à 0. Unu de mu 1 est égal à... Alors, bon, ben, rho, c'est égal à 1 sur nu de BR. Donc c'est égal à moins l'intégrale de 1 sur nu de BR puissance 1 moins 1 sur n fois d nu. Et donc ça, ça va sortir. Et il va me rester un nu de BR puissance 1 sur n moins 1 fois l'intégrale de d nu sur BR qui vaut pareil que nu de BR. Donc c'est égal à nu de BR de x0 puissance 1 sur n. Donc ça, ça résout le, ça vaut pour le dernier morceau. Et puis maintenant, il nous reste juste à regarder une nu de mu t. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'intéressant dessus? Alors, mu t, c'est l'interpolation entre Dirac x0 et puis la boule tout entière. Bon. Évidemment, si je regarde l'interpolation, un point qui va partir de x0, de là une géodésique qui va aller quelque part dans la boule de rayon R. Quand je regarde au temps t, la distance, donc si gamma t, 0t1, est une géodésique issue de x0, ben, bien sûr, la distance de x0 à gamma t est égale à t fois la distance de x0 à gamma 1 est inférieure ou égale à tr. Autrement dit, la mu t est supportée dans la boule de centre x0 et de rayon tr. OK. Alors, donc on peut écrire unu de mu t est égal à moins l'intégrale sur la boule de rayon tr de rho puissance 1 moins 1 sur n d nu. Ça, c'est la rho t de x égale d mu t sur d nu. Et puis, ça, je vais dire que c'est égal à moins le volume de la boule de rayon TR fois l'intégrale
de rho t 1 moins 1 sur n d nu sur nu de btr. Et ici, j'ai btr. J'identifie nu divisé par btr comme une mesure de probabilité. Et j'applique Jensen pour dire que ça, c'est supérieur ou égal. Donc il y a moins nu de BTR qui reste là. Et puis j'ai ici l'intégrale de rho t d nu sur nu BTR à la puissance 1 moins 1 sur n. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'intégrale de rho t contre d nu va s'intégrer pour faire 1. Donc tout ce qui restera, c'est moins nu de la boule de rayon tr fois la contribution de ça, qui est nu btr fois 1 sur n moins 1. Et donc il reste seulement nu btr puissance 1 sur n. Donc tout pris en compte, ce qu'on a obtenu, c'est tout simplement que moins nu de BTR puissance 1 sur n est inférieur ou égal à T nu BR puissance 1 sur n, soit encore, alors il y a un signe moins ici, soit nu de BTR nu de BTR puissance 1 sur n est supérieur ou égal à divisé, pardon, nu de BR puissance 1 sur n est inférieur ou égal à nu BTR puissance 1 sur n sur t. Et donc ça, on peut encore dire tout simplement que c'est nu de BR puissance 1 sur n. Alors, nu de BR sur R puissance n inférieur ou égal à nu de BTR divisé par TR puissance n. Bon, et c'est exactement ce qu'on voulait pour T compris entre 0 et 1. Donc, on a bien cette inégalité de Bishop-Gromov dans le cas K égale 0. Et comme je vous disais, le cas général s'en déduit pareil. Nu de BS sur S puissance N est une fonction décroissante de S. Alors, un corollaire X D nu est doublant au sens de la théorie de la mesure. À savoir que nu de b de x0 de r est inférieur ou égal à une constante nu de b x0 r. Ça, en général, c'est la première propriété qu'on cherche à avoir quand on fait de l'analyse non lisse dans les espaces métriques mesurés. La première, c'est qu'on veut, que ce soit doublant. La deuxième, c'est qu'on veut une inégalité de points carrés. En l'occurrence, elle est vraie aussi. Même si je ne ferai pas la démonstration parce qu'elle ne nous servira pas. Question ? Tout va bien ? Alors, propriété suivante. Propriété suivante, c'est donc, je vais vous la citer, inégalité de points carrés. Inégalité de points carrés L1 qui nous dit que l'intégrale renormalisée sur la boule de centre x0 rayon R de U moins la moyenne de U sur la boule RX0 dénu
est inférieur ou égal à une constante fois R fois l'intégrale normalisée sur la boule de centre 2x0 de rayon 2R de gradient U d nu. Bon, celle-ci a été démontrée par Rajala dans cette généralité. Dans cette généralité, même sans l'hypothèse de non-branchement. Bon, et puis on va ajouter aussi d'autres propriétés. On a unicité presque partout des géodésiques. Nu tenseur, ce qui veut dire que nu tenseur nu, presque partout, il existe une unique géodésique minimisante reliant x à y. Donc celle-ci comme conséquence de l'hypothèse de non-branchement. Alors, cela vient de ce que d'abord si x et BR sont fixés pour tout t compris entre 0 et 1 strictement, il y a unicité de la géodésique reliant x à l'interpolation entre BR. Hein, si vous regardez, ici j'ai x, ici j'ai un autre point, j'arrête au temps t, je regarde l'ensemble des points qui vont d'ici à ici, là j'aurai unicité de la géodésique, parce que sinon j'aurai un problème de branchement. Et, donc ça ici c'est interpolation, et nu de l'interpolé entre x et BR, t, tend vers nu de BR comme conséquence également de Bishop-Gromov. Bon, et on ne va pas s'attarder là-dessus. Alors, ça c'est les propriétés élémentaires, et maintenant la question suivante qu'on se pose, c'est montrer l'isopérimétrie. Isopérimétrie. Donc, regardons sous l'hypothèse CD0N. Et puis, on définit par abus de notation nu plus de d rond A est égal à lim sup quand epsilon tend vers 0 de nu de A epsilon moins nu de A sur epsilon. Bon, en fait,
mu plus 2. La bonne, la, en fait, ce de, on devrait noter mu plus 2 A. J'utilise l'abus de notation juste pour rappeler que c'est là pour donner une mesure à la surface de A. Et ici, A epsilon, c'est l'élargie où A epsilon est égal à l'ensemble des x tel que distance de x à A est inférieure ou égale à epsilon. Bon. Et autre problème. Problème de l'isopérimétrie. Établir une borne nu plus de d rond A supérieure ou égale à quelque chose où on veut que ce soit aussi, aussi optimal que possible. Alors, choisissons rho 0 est égal à 1a sur nu de a et rho 1 est égal à 1a epsilon sur nu de a epsilon. Bon. Donc ici, j'ai a. Ici, j'ai A epsilon. J'ai une première mesure ici qui est uniforme sur A, une deuxième mesure qui est uniforme sur A epsilon. Et je vais regarder muter l'interpolation entre rho 0 et rho 1. Bon. Et si je regarde une. Je vais donc muter. Ça va être ET mesure image π, où π est une mesure sur les géodésiques. Et si je regarde gamma 0 appartenant à A, gamma 1 appartenant à epsilon, alors, distance de gamma 0 à gamma t, pour gamma t, donc une mesure sur le géodésique joignant a à a epsilon. Distance de gamma 0 à gamma t est égale à distance de gamma 0 à, est égale à t, distance de gamma 0 à gamma 1. Est inférieur ou égal à t epsilon si distance de gamma 0, gamma 1 est inférieur ou égal à epsilon. Alors, en utilisant ça, en utilisant cela, on peut chercher une inégalité sur nu de A T epsilon puissance 1 sur n. Bon, même genre de raisonnement, qu'est-ce qu'on peut espérer? Avec le même genre de raisonnement, on peut espérer prouver une convexité, une concavité de la fonction qui a t associé
nu de A, T epsilon, puissance 1 sur N. Hein? Même genre de choses avec l'inégalité en moins l'intégrale de rho puissance 1 moins 1 sur N qu'on va appliquer. Et si on regarde là, ça va se traduire par nu de A epsilon puissance 1 sur N inférieur ou égal à nu de A puissance 1 sur N plus T fois. Alors, plus T fois. Donc, si je pose phi de T, pardon, est égal à nu de A T epsilon puissance 1 sur N. Ici, je vais avoir D plus phi sur DT pris en T égale 0. Et quand on regarde ce qu'on va obtenir, ici, ce n'est pas T, c'est 1. Fonction concave, je dis que phi de 1 est inférieur ou égal à phi de 0 plus phi prime de 0. Et là, ça va être A puissance nu de A puissance 1 sur N plus epsilon sur N nu plus de D rond A fois A puissance 1 sur N moins 1, soit encore nu de A epsilon puissance 1 sur N est inférieur ou égal à nu de A puissance 1 sur N 1 plus epsilon nu de D rond plus A sur N fois nu de A. OK. Bon, tout semble bien se goupiller. On se dit que tout est en ordre. Et on se dit que finalement, l'inégalité isopérimétrique, elle va résulter de cette inégalité de convexité telle qu'on l'a écrite. Mais maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe pour k différent de 0? Alors, si l'inégalité isopérimétrique, elle découle de l'inégalité de convexité telle qu'on l'a écrite, eh bien, tout doit découler de la propriété caractéristique qu'on a donnée tout à l'heure. Et c'est le moment de passer à ce problème de la direction manquante. Donc, quatrièmement, local global et dilemme de la direction manquante. Alors, cherchons à obtenir une inégalité sur les volumes et surfaces en partant de CD étoile de Kn. Bon. Alors, CD étoile de Kn, d'abord pour avoir une meilleure idée, on va restreindre cette inégalité à une géodésique. On va restreindre cette inégalité Alors, comment on fait ça? Ben, je prends deux mesures, mu0 et mu1. Bon, et puis il y a un certain nombre de géodésiques qui sont tenues par le transport optimal. Les géodésiques sur lesquelles géodésique du support de grand pi. Et puis, je vais savoir ce qui se passe le long d'une géodésique en un certain point. Alors, je vais prendre un y, une petite boule ici de rayon R, et je vais conditionner par la boule en regardant juste les géodésiques qui passent par cette petite boule. Donc là, ça me fait une
mesure, une sous-mesure, et ici une autre mesure, qui est obtenue en restreignant les mesures mu0 et mu1 au point qui donne par transport un passage par la boule BR de Y. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je vais écrire l'inégalité correspondante pour le transport de cette sous-mesure. Ça va être un transport optimal, et ça va être l'unique transport optimal entre ceci et ceci, donc je vais pouvoir réécrire l'inégalité sur ce transport, et ensuite je vais faire tendre le diamètre de la boule vers 0 jusqu'à obtenir une inégalité qui sera valable juste le long de la géodésique. Alors par non-branchement, le sous-transport obtenu en conditionnant pi par le passage par BR de Y est l'unique transport optimal. Et donc, on peut appliquer l'inégalité CD star KN à ce sous-transport, hein, avec juste cette partie de la mesure obtenue à partir de cette partie de la mesure. Et puis je fais tendre BR vers 0. Et on obtient R tend vers 0. On passe à la limite. En utilisant la propriété de doublement, hein, ça nous permet d'appliquer la théorie de densité de Lebesgue, en particulier muté de BR de Y divisé par nu de BR de Y converge vers rho t de Y, nu presque partout, hein, théorème de densité de Lebesgue, et on trouve que le long de la géodésique, le long d'une géodésique gamma, presque sûrement 1 sur rho t de gamma t puissance 1 sur n supérieur ou égal à 1 moins t bêta 1 moins t de gamma 0 gamma 1 puissance 1 sur n divisé par rho 0 de gamma 0 plus t bêta t de gamma 0 gamma 1 divisé par rho 1 de gamma 1 puissance 1 sur n. Ok, alors on regarde ça dans le blanc des yeux. Et on examine. Alors d'abord, pour k égale 0, donc ça on va l'appeler étoile. Pour k égale 0, c'est juste la convexité, la concavité de 1 sur rho t de gamma t puissance 1 sur n en t. Ça, c'est pour cd de 0 n. Pour k différent de 0, cela nous donne un coefficient de distorsion en, ben, comme on l'a vu tout à l'heure,
sinus t racine de k sur n, distance xy, divisé par t sinus racine de k sur n, distance xy, à la puissance n. Bon. Alors, quand vous regardez ça, ici c'est pas bon, au sens où c'est pas le coefficient de distorsion dans l'espace de référence. En effet, ce coefficient de distorsion, il aurait un dn-1 partout. Celui-ci, il traduit le fait que la courbure se fait sentir dans n-1 direction, et dans celui-ci, on fait comme si la courbure se sentait dans toutes les n directions. Donc là, on perd une direction par rapport à l'ensemble. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit cependant ce coefficient-là plutôt que ce coefficient-là plutôt que celui-là ? Celui-ci, il a une propriété capitale. Il vérifie une propriété de localité, un déterminisme si l'on veut. Alors, le coefficient ainsi obtenu a l'avantage de vérifier un principe local vers global. Et ceci parce que on a l'identité suivante, hein, parce que si vous regardez le coefficient qui est là, donc là j'ai un sinus de quelque chose puissance n, je prends la puissance 1 sur n, donc là ça va être un truc qui est linéaire en le sinus. Et si vous regardez l'inégalité, alors je vais l'écrire ici, f de 1 moins lambda t0 plus lambda t1 supérieur ou égal à, ici un coefficient qui sera sinus de 1 moins lambda racine de lambda majuscule t0 moins t1 divisé par sinus racine de lambda t0 moins t1 fois f de t0 plus quelque chose d'analogue, sinus de lambda, etc., fois f de t1. Si je demande ça pour tout, t0, t1, et puis lambda appartenant à 0, 1, ça c'est équivalent à demander que f point point de t plus lambda f de t est inférieur ou égal à 0. Et ça, c'est une belle inégalité différentielle qui s'exprime localement. Localement bien définie. Hein, si je vérifie cette inégalité-là sur chaque petit morceau, ça sera vérifié évidemment sur l'ensemble. Autrement dit, quand je travaille avec ces coefficients-là, il y a un principe de localisation qui marche bien. Et tout ce qui est vrai sur des petits intervalles marche bien aussi. Autrement dit, c'est la base de la preuve de si c'est localement, ça vérifie CD de Kn. Alors c'est pareil que dire que ça vérifie CD star de Kn globalement. Ou quand je mets le log, ça veut dire que ça le vérifie juste pour un petit voisinage autour de chaque point. Bon. Alors, voyez ici le dilemme. Voilà, donc ici, l'inégalité, ici, est donc équivalente à f point point plus lambda f inférieur ou égal à 0
où f de t égale 1 sur rho t de gamma t puissance 1 sur n, et lambda est égal à k sur n, distance de gamma 0, gamma 1 carré. C'est des inégalités qu'on a déjà vues dans une phase antérieure du cours. Alors, voyez maintenant le dilemme. Ici, ceux-là, on les a appelés bêta star. Ceux-là, on va les appeler bêta kn. Si je prends les bêta star, j'ai la localité, je peux passer du local au global. Mais comme j'ai utilisé n directions au lieu de n moins 1, j'ai perdu sur les constantes. Et si je prends bêta, je peux espérer avoir des choses qui sont optimales, sauf que je suis incapable de localiser et je suis incapable d'avoir des inégalités qui vont bien se prêter à une analyse fine. Alors c'est ça que j'ai appelé dilemme de la direction manquante et qui a empoisonné les choses pendant bien des années. Après la, qu'est-ce qu'on va dire, première définition par Carl Theodor Sturm, utiliser ces coefficients-là. Puis après, on s'est dit que pour la localité, il valait mieux avoir cette définition-là. C'était Barrer et Sturm. Et puis, on s'est retrouvé coincé. Si on veut faire des inégalités optimales, on a envie d'utiliser ça. Mais si on utilise ça, on ne sait pas comment localiser. Et cette situation a été débloquée donc par Cavaletti-Mondino en contournant le problème par un argument qu'on va appeler de localisation, et ça va être l'étape suivante. Alors pour contourner cela, Cavaletti-Mondino utilise un argument de localisation à la... Alors, on va mettre KLS pour Kanan Lovas Simonovitz. On va rajouter K pour Klartag, parce que c'est lui qui a compris comment l'appliquer dans le cadre du transport optimal, et Cavaletti et Mondino qui ont montré que ça fonctionnait quand même, même dans un cadre non lisse. Et puis on va noter que Kanan Lovas Simonovitz, c'est 1995, Klartag 2014, et on va noter qu'il y a un ancêtre qui est un article de Gromov et Milman, 1987. Avec le même genre d'idées, où on restreint les inégalités à des lignes. Alors, et puis aussi Pine-Weinberger, loin avant Pine-Weinberger dans les années 1960. Donc notre boulot, ça va être de décomposer l'inégalité sur des courbes, sur des lignes, et de recoller plein de petites inégalités de dimension 1 ensemble. Et on va voir comment on va le faire. Alors ça va être notre partie 5. Cinq méthodes de localisation . C'est une technique très générale qui a permis à Cavaletti-Mondino de résoudre un grand nombre de problèmes avec constantes optimales qui semblaient hors d'atteinte auparavant. Alors comment ça a fonctionné? On se donne xd nu qui vérifie les mêmes hypothèses que précédemment.
Et puis supposons qu'on se donne une fonction f de x dans R intégrable de moyenne nulle. Alors on peut décomposer x en deux morceaux. Le premier morceau, c'est une union géodésique, union de gamma de 0,1, union, un ensemble négligeable. Alors ici, pour des gamma qui sont dans un ensemble grand oméga. Donc, on va écrire ça comme ça. Alors ça, ce sont images de la géodésique. Ça, c'est un ensemble de géodésique. Et ça, c'est un ensemble négligeable. Plus précisément, pour tout B borélien, nu de B va s'écrire comme l'intégrale sur oméga de nu gamma de B oméga de D gamma. Donc ici, une mesure de probabilité sur les géodésiques. Alors on va donner un nom à cette partie-là. Tout ça, on va l'appeler grand G. Mesure de probation géodésique qui constitue grand G. Ici, c'est une mesure supportée par gamma. Et les gamma constituent une partition de G. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, premièrement, oméga de D gamma, presque sûrement, presque partout, intégrale de F D nu gamma est égale à 0. Et puis, nu de DY, presque partout, F de Y est égale à 0, pour Y appartenant à N. Autrement dit, mon espace est fibré par un ensemble de géodésiques qui ne se croisent jamais. Et on peut restreindre la mesure à chacune de ces géodésiques et réintégrer par rapport à une certaine mesure de probabilité pour obtenir nu. En fait, ici, ce qu'on a écrit, c'est une désintégration de la mesure conditionnellement à cette fibration non lisse qui est faite par toutes les géodésiques. Et on peut faire ça de telle sorte que sur chacune de ces géodésiques, la mesure conditionnelle obtenue donne toujours une moyenne nulle à F. Sur chaque ligne, on a une moyenne nulle pour F. Et puis, d'autre part, l'ensemble qui reste, le N, est négligeable au sens où F vaut toujours 0 presque partout dessus. Voilà, donc ça c'est l'idée, ça c'est ce qu'on va construire. Et ce que montre Cavaletti-Mondino, c'est que en outre,
Je vais écrire ici. En outre, gamma associé nu gamma sera une C d'étoile Kn désintégration, c'est-à-dire que quand on va regarder la densité H gamma de nu tiré, qu'est-ce qu'on va dire oui, densité H gamma de nu, je vais dire tiré en arrière sur R, c'est pas correct. On va dire ça, lu sur R vérifiera l'inégalité suivante. H gamma de 1 moins S T0 plus S T1 puissance 1 sur N moins 1 supérieur ou égal à bêta star Kn moins 1 1 moins S de T0 T1 moins T0 puissance 1 sur N moins 1 c'est comme ça. H gamma de T0 1 sur N moins 1 plus la même chose bêta S étoile Kn moins 1 T1 moins T0 puissance 1 sur N moins 1 H gamma de T1 puissance 1 sur N moins 1. La situation est comme ceci. Donc là on a toutes nos géodésiques et on a une application G qui, pour chaque géodésique gamma, fait correspondre la droite R à la géodésique, hein, de sorte que nu gamma sera égal à G gamma fois mesure image d'un certain truc, H gamma L1, et ce H gamma, c'est lui qui va nous intéresser. C'est lui qui va nous intéresser, et ici, ce sont les coefficients de distorsion, les mêmes qu'on avait avant, précédent, mais cette fois avec n-1 au lieu de n. Autrement dit, le long de chaque ligne, on a la bonne inégalité avec les n-1 directions qui se font sentir. C'est comme si on regardait la mesure conditionnelle au transport long des géodésiques et on montrait qu'il y a la courbure qui se fait sentir dans n-1 direction. Alors on va revenir sur cette décomposition qui est la clé. Qu'est-ce que c'est la fonction f, hein? Moi je vous ai dit, on se donne une fonction f et on construit tout ça. La fonction f, on va la construire, c'est celle qui va donner l'inégalité isopérimétrique. Donc l'idée est de choisir f de x égale 1a de x moins alpha, où alpha est égal à la mesure de a, et on suppose que alpha est compris strictement entre 0 et 1, et d'écrire pour cette fonction f, x comme d'abord une union de géodésique, ici une partition, union un ensemble négligeable avec nu de n égale 0, et puis nu égale intégrale de nu gamma oméga d gamma sur oméga, et puis de prouver l'isopérimétrie comme ça, en se ramenant à l'isopérimétrie sur une ligne pour la mesure conditionnée.
Alors, qu'est-ce que ça va donner? On écrira alors nu de A epsilon moins nu de A divisé par epsilon est égal à 1 sur epsilon intégrale de 1 A epsilon moins A nu de dx est égal à 1 sur epsilon l'intégrale sur oméga de l'intégrale de 1 A epsilon moins A de x nu gamma de dx. Hein, ici, j'applique ma désintégration, oméga de d gamma. Et je vais continuer en me ramenant à chaque fois à R. Donc, chaque fois que j'ai quelque chose ici sur une ligne, je le ramène à une intégrale sur R en utilisant cette application G. Une façon sur chaque géodésique de me ramener à à la droite réelle. Et qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc nu gamma, je vais écrire que c'est la mesure image de ce h gamma L1. Donc 1 sur epsilon, l'intégrale sur oméga de intégrale sur R de 1 à epsilon moins a h gamma de t L1 de dt oméga de d gamma. Alors, ici, ça c'est pareil que l'intégrale sur oméga de, alors, h gamma L1 de g gamma moins 1 de a epsilon, ici juste en utilisant la définition de la mesure image, moins h gamma L1 de g gamma moins 1 de a. Ici, hop, on divise tout par epsilon et il y a un oméga de d gamma. Et c'est ici qu'il y a une inégalité. Pour l'instant, j'ai écrit que des égalités. La seule inégalité qui va venir maintenant, c'est de minorer ça par h gamma L1 de g gamma moins 1 de a epsilon. Moins h gamma L1. Alors ici, je ne change rien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Là, ce que j'ai dit, c'est que j'ai mon ensemble A. Ici, j'ai A epsilon. Bon. Et si je regarde sur un ensemble de géodésiques qui font des choses comme ça, hein, donc j'ai un ensemble de géodésiques qui fibre tout l'espace, je regarde l'inégalité sur une géodésique, qui est là, et je vais me ramener à vouloir démontrer une inégalité isopérimétrique sur la mesure conditionnelle portée par cette géodésique. Bon. Et maintenant, la clé de tout, c'est que si je regarde ici, ça, c'est une distance qui est toujours supérieure ou égale à epsilon. Hein? Il se pourrait que je prenne le truc de manière oblique, et que j'ai comme ça quelque chose de large. Ça, c'est supérieur ou égal à epsilon, si ça, c'est une distance epsilon. Mais ce n'est pas grave. Ça va faire juste que cet ensemble-là, il sera gros. Et ici, je vais pouvoir mettre un supérieur ou égal et minorer ça par ce qui est obtenu en regardant juste quand on déborde d'un ensemble, d'une distance epsilon. Bon. Ce qui veut dire que si j'ai la solution du problème isopérimétrique sur R, ici solution du problème isopérimétrique sur la ligne, voilà, avec mesure alpha, eh ben, je pourrais résoudre tout ça et l'intégrer. Bon. Donc, la méthode, elle marche parce que sur chaque ligne, sur chaque géodésique, la quantité alpha a été conservée. Hein. N'oubliez pas qu'on a pris f de x est égal à 1a de x moins intégrale de moins nu de a. Et donc ça revient à chercher la solution du problème isopérimétrique pour un ensemble dont la fraction de masse est égale à alpha.
Et sur chaque géodésique, ça va aussi être la solution d'un problème isopérimétrique pour un ensemble dont la masse est égale à alpha. Donc les problèmes en dimension 1, ils seront tous les mêmes. Et le problème isopérimétrique ici, ça sera à chaque fois le même. Et je vais pouvoir le sortir de l'intégrale si je sais résoudre le problème en dimension 1. Alors, il nous reste plusieurs choses à comprendre. Comment on construit cette partition en géodésique et la désintégration qui va avec? Pourquoi elle a les bonnes propriétés de courbure et celle qui est là? Et puis, comment on traite le problème monodimensionnel? Mais d'abord, avant tout, une... On va prendre ça dans l'ordre. Donc, reste à comprendre. Je vais écrire explicitement ce que j'ai dit à l'oral. Donc, on ramène le problème isopérimétrique à masse relative alpha. Quand je dis ça, je veux dire alpha égale nu de A sur nu de X dans X à un ensemble de problèmes isopérimétriques portés par des géodésiques. Donc, en dimension 1. Reste à comprendre comment on construit la décomposition en géodésique. Pourquoi elle vérifie la courbure, la propriété de courbure, celle que j'ai donnée là, et comment on traite le problème 1D, qui a priori est la partie la plus facile dans l'histoire. Alors, la décomposition en géodésique, pour le dire en un mot, on va l'obtenir en résolvant un problème de Monge-Kantorowicz avec exposant 1. Et c'est là que c'est la partie la plus surprenante dans l'affaire. Et au départ, il y a une idée de Klartag. Donc on va dire 6, partition MK1. Pour construire la partition en géodésique, on va... Partition de mesure, c'est pas partition de vérité. C'est pour une nouvelle, oui. C'est partition de mesure, mais pas partition de vérité. C'est une nouvelle de Klartag, je crois, oui. Pour moi, on pose un cas euclidien, c'est quelque chose comme ça. On peut partir, il y a une partition d'espace. Dans oui. Mais ici, c'est partition de mesure. Oui, c'est la partition de. C'est une partition de l'espace métrique mesuré. Ah, finalement, c'est toujours la partition d'espace. Oui, à un ensemble de mesures négligeables près. Il y a peut-être. Il y a un ensemble qu'on jette qui est de mesures nulles. Alors, pour construire la partition géodésique, on va utiliser un problème de Monge-Kantorowicz avec exposant 1. Et l'idée de faire ça, on revient à Klartag. Dans un cadre lisse. Et le long des géodésiques, la fonction duale de Kantorowicz augmentera linéairement.
Alors, on va faire... C'est le corollaire d'être absolu. Mais propre, c'est la condition. Le dernier. Ah, on va le construire comme ça. Ça sera une conséquence, oui. Ce sera une conséquence du fait que c'est optimal. Ouais. Mais c'est le point précis. L'argument de Lévy, on doit résoudre le problème de l'hyper-surface pour l'hyper-surface et ici une autre problème de l'hyper-surface. Oui, absolument. C'est le point crucial. Oui. Dans Lévy, on va sortir comme ça, n'est-ce pas? On va sortir ici. Ici aussi, on est en train de faire ici ce qu'on va, moralement, ce qu'on fait. Moralement, on va, disons, pour les opérimétries, ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre le problème de Monge-Kantorowicz 1 entre A et A complémentaire. On veut faire sortir tout A pour l'envoyer sur le complémentaire. Et on le voit parce que... On va le voir. Alors, étape 1. Donc, on va résoudre le problème dual. Alors, étant donné f tel que intégrale de f des nus égale 0, on résout sup de l'intégrale de f phi des nus, sachant que phi va de x dans R et norme de phi Lipschitz inférieure ou égale à 1. Donc ça, c'est le problème de Kantorowicz dual. C'est le problème de Kantorowicz dual pour le transport entre f plus nu et f moins nu. Et donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Alors quand on a posé f égale 1a moins nu de a, c'est comme si on faisait le transport entre 1 moins alpha fois 1a nu et alpha fois 1 x moins a nu, soit encore transport entre alpha 1 moins alpha nu restreinte à a et alpha 1 moins alpha nu restreinte à x moins a. Donc c'est ça moralement ce qu'on est en train de faire. On se donne f et on en déduit phi. Et maintenant on va travailler sur phi. Alors d'abord pourquoi phi existe ? Phi existe par argument de compacité classique. Compacité en topologie uniforme. Parce que sans perte de généralité, on peut supposer que phi de x0 égale 0. L'intégrale de f des nus est égale à 0, je peux toujours enlever une constante à phi, ça ne change rien. Sinon, on remplace phi par phi moins phi de x0. Bon. Donc, on se trouve phi. Et maintenant, on va utiliser phi pour définir la partition. Et l'idée, c'est que juste, on va suivre les lignes de niveau de phi. Et c'est ça qui va nous donner les géodésiques correspondantes. Alors... transport, voilà. Ici, c'est le problème de Kantorowicz dual pour le transport. Voilà. Et ici, avec coût, c de xy égale distance de xy. Bon, donc j'insiste là-dessus. C'est ça a été la surprise dans la preuve. Ici, ce n'est pas le coût carré, c'est le coût d. Et l'argument, il marche seulement avec le coût d. Alors, on définit alors
This extremal case, yeah, of course. This one is extremal case for convexity. You mean when I use point one is critical, you cannot go below. It will turn out, yes, it's critical. One is critical. It will turn out that when I have an optimal like this for cost one, for certain classes of measures, also the solution of the cost one is a solution of the cost two. And you can, it's okay to restrict to these special categories of measures to get the curvature inequalities. This is the key idea. Alors, on définit alors, but it's, in fact, all interesting cases is either one or two. The rest is negligible. On définit alors gamma de phi égale l'ensemble des x, y appartenant à x croix x, tel que phi de y moins phi de x est égal à distance de x à y. Bon. Et on montre que si gamma est une géodésique avec gamma de 0 égale x, gamma de 1 égale y, et xy appartient à gamma, alors pour tout s, pour tout t, gamma de s, gamma de t appartient aussi à gamma. Autrement dit, le transport s'effectue le long de géodésique. S'effectue le long de géodésique. Bon, et puis on définit aussi les courbes de transport. Qui sont les xy tels que soit xy est dans gamma, soit yx est dans gamma. Hein, on ne veut pas orienter l'affaire. Et puis on définit les points extrémaux et finaux. Extrémaux, les points extrémaux, comme ceux qui sont dans gamma sans être intérieur entre guillemets. Hein, si vous avez quelque chose comme ça, eh ben ça va être un point extrémal avec une géodésique gamma, une autre gamma tilde ici. Et puis l'ensemble du transport TE comme l'ensemble, comme la projection de gamma privé de la diagonale, c'est-à-dire les points qui bougent vraiment. Une fois qu'on a fait ça, on enlève les extrémités dans TE et on enlève aussi les points de branchement pour obtenir l'ensemble de transports non extrémal. Puis on enlève les points extrémaux et de branchement, et on obtient ainsi un ensemble T. Et sur cet ensemble T, qui est fait de géodésique, et les points extrémaux, on montre que ça c'est de mesure nulle. Pour ça, on réutilise CD star Kn, avec un argument du même genre que ce qu'on avait tout à l'heure. Et puis, sur cet ensemble, sur T, les rayons de transport définissent une relation d'équivalence.
forment une relation d'équivalence hein, bon, donc peut-être il y a des géodésiques là comme ça qui font des choses comme ça. Elles peuvent jamais se croiser, ça n'arrive jamais. Mais ce qui peut, sauf sur un ensemble de mesures nulles. Mais peut-être qu'il faut enlever ce point-là, enlever ce point-là, enlever ce point-là, et comme ça, une fois qu'on a enlevé tous ces points, on a une relation d'équivalence. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc étape 2. Désintégration. Alors la relation d'équivalence, je l'appelle R. Désintégration, on va définir oméga comme étant l'espace quotient T sur R. Application quotient Q qui va de T dans oméga et qui a un point X associé à la géodésique correspondante. Et puis on définit oméga comme étant la mesure image par Q de nu. Mesure image sur oméga. Bon, et on écrit comme ça la désintégration associée. Donc nu restreinte à T sera égale à l'intégrale sur oméga de nu gamma oméga d gamma, où nu gamma est porté par la fibre correspondante, par la classe. Donc nu gamma concentré sur la géodésique gamma. Bon, il faut vérifier que tout est mesurable, etc. Et qu'on peut définir la désintégration. Et une fois qu'on a fait ça, on va choisir aussi une section mesurable S. Hein, pour chaque gamma, on choisit un représentant de manière mesurable. Puis on choisit une section S pour chaque gamma, un x égale S de gamma, un x égale S de gamma tel que x appartient à gamma. Bon. Donc, j'ai comme ça plein de géodésiques et je choisis ici, voilà, le graphe de S qui, pour chaque géodésique, me choisit un élément de la géodésique de manière mesurable. Bon, et maintenant, étape 3, on va appeler ça l'application rayon, comme rayon de lumière. On va dire que c'est une application G gamma. Pour chaque gamma, elle est définie sur R. Voilà. G gamma envoie donc R sur gamma. Et tout simplement, ici 0. 0, je l'envoie en x, le point que j'ai choisi sur gamma. Et t, je l'envoie en y, telle que la distance signée, telle que la distance de x à y est égale à t, si t est strictement positif. T distance de x à y égale t. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Oui. Plus ou moins t. Il faut que je choisisse un sens à chaque fois. Oui. Distance de x à y est égale à la valeur absolue de t. Et on compte par ici pour les t strictement positifs et par ici pour les t strictement négatifs. Et on choisit une orientation sur chaque gamma. Alors, quand on fait ça, on a que gamma T associe G gamma de T est borélienne. Si je regarde à gamma fixé, T associe G gamma de T est une isométrie. Euh,
Également, gamma t associe g gamma de t est inversible sur son image. Et puis, dernière propriété, c'est que quand on regarde nu gamma, est absolument continu par rapport à la mesure de Hausdorff restreinte à g gamma de R. Restreinte à la géodésique, si l'on veut. Bon, donc là, ça c'est la décomposition clé. On utilise ce problème de transport L1 pour faire la décomposition. Alors, il y a un problème fondamental maintenant. Pour l'instant, on a juste dit qu'il y avait une décomposition, et qu'elle était bien, mais il faut encore prouver les bonnes propriétés, et en particulier cette propriété de courbure. Alors, on passe à la partie 7, localisation de la courbure. Bien. On est en train de faire un transport L1. Mais la courbure est exprimée par transport L2. Bon. Et donc, vous êtes bien embêté pour réconcilier les deux. Sauf si votre transport L1, il se trouve coïncider avec un transport L2. Alors, donc incompatibilité sauf si on se ramène à un transport L1 qui est aussi un transport L2. Alors, voici l'idée. J'ai mes différentes géodésiques qui sont comme ça. Et ici, j'ai ma section S. Et je vais construire une mesure mu0, comme ça, en recollant des morceaux le long de la parallèle à la section, si on veut. Et ici, j'aurai mu1, mu0, mu1. Et on va l'obtenir avec de telle sorte que ceci, sur chaque géodésique gamma, quand je lis sur R, ben, ça se ramène tout simplement à quelque chose comme ça, le transport d'un intervalle vers un autre intervalle. Bon. Un transport tout bête qui s'effectue par une fonction affine. Bon. Si je fais ce transport par une fonction affine, quand je passe de là à là, et que je regarde la façon dont ça varie le long de la géodésique, eh ben, ça va varier de la même façon sur toutes les géodésiques, avec juste la même quantité qui va être augmentée à chaque fois. Si, par exemple, les deux intervalles ils sont égaux, je suis juste en train de faire une translation, et quand je lis dans les fibres, ça va juste faire augmenter la distance d'une quantité fixe. Qui dit augmenter une quantité fixe, dit que la fonction phi va elle aussi augmenter. L'idée, faire que phi varie identiquement sur chaque fibre. Et puis nous avons un lemme. Et puis je vais démontrer le lemme qui va être tout bête et qui va être la clé. Et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Lemme. Soit phi, un Lipschitz,
sur xd et delta inclus dans gamma de phi. Hein, donc delta inclus dans l'ensemble des x, y, tel que phi de x moins phi de y est égal à distance de x, y. Bon. Si phi de delta, si l'ensemble des phi de x, phi de y est norme carrée cycliquement monotone, alors ça c'est un ensemble de R2, hein. Alors delta est D carré cycliquement monotone. Et on rappelle que cycliquement monotone, donc psi et c cycliquement monotone, si quel que soit x1, y1, etc., xn, yn, somme des c de xi, pas psi, gamma, somme des c de xi, yi est inférieur ou égal à la somme des c de xi, yi plus 1. Et on rappelle aussi que ça, c'est le critère d'optimalité. L2, c'est-à-dire que si une mesure est supportée sur un ensemble qui est décarré cycliquement monotone, alors c'est optimal pour le problème L2. Bon. Alors la preuve du lemme est toute simple. Somme des, je regarde somme des d de xi, yi carré, ben, c'est égal à la somme des phi de yi moins phi de xi carré. Donc, par C cyclique par cyclique monotonicité dans R2 de ce truc-là, c'est inférieur ou égal à la somme des phi de yi plus 1 moins phi de xi carré. Et maintenant, j'utilise le fait que phi est 1 Lipschitz. Ça, c'est inférieur ou égal à la somme des d de xi yi plus 1 carré. Et ceci conclut la preuve. Donc, ce lemme, il est tout simple, mais il nous montre que si on contrôle les valeurs de dans le transport, les valeurs de la fonction phi, donc juste le long des géodésiques, on se souvient que la fonction phi, elle varie linéairement le long du transport, alors mon transport L1 sera aussi un transport L2. Et l'idée, ce sera de prendre des mesures très simples pour lesquelles on sait comment phi augmente, et comme ça on aura un transport L2, et on pourra appliquer l'inégalité de courbure. Et puis après on va faire comme on faisait tout à l'heure, restreindre en prenant des boules de plus en plus petites, et en obtenant quelque chose le long d'une géodésique. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et je terminerai la preuve la semaine prochaine. Donc, là on a compris comment on construit la décomposition en géodésique, ça on a compris. Il nous reste à comprendre pourquoi vérifier la propriété de courbure, donc, là je vous ai donné juste l'idée, et puis traiter le problème monodimensionnel, et puis après traiter les cas d'égalité. Bon. Et donc, si je résume, premièrement, il y avait cette histoire qui était considérée comme le point de blocage empêchant de continuer le fait que dans les coefficients de distorsion, soit on regarde des coefficients de distorsion qui prennent en compte toutes les directions, mais ça fait une direction de trop, et alors on a une bonne algèbre et tout ça. Soit on regarde les coefficients de distorsion qui prennent une direction en moins, mais alors on ne sait pas localiser l'affaire. Donc la façon de contourner, c'est de regarder les mesures conditionnelles portées le long du transport et de vérifier que c'est bien courbé dans n-1 direction transversalement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est le travail de la courbure transversale par rapport à ça. Et ce qui donne la bonne, et une raison pour laquelle personne n'avait vu
pendant longtemps comment faire l'affaire, c'est que la décomposition elle était basée sur un transport L1 et pas un transport L2. Ce qui aurait dû mettre la puce à l'oreille, et ce qui a mis la puce à l'oreille à la Clartag certainement, c'est cette affaire que pour le transport L1 et seulement pour le transport L1, le transport s'effectue le long de géodésique. Et ça fait une partition, quoi. Alors après, il connaissait les techniques à la KLS, il s'est dit qu'il voulait avoir une partition, il s'est dit qu'elle était là. Et ce qui est remarquable quand on y réfléchit, c'est que là, on a une partition qui est définie de manière intrinsèque. Dès qu'on donne une fonction f, tout ce qu'on veut, c'est la fonction f qui est d'intégrale nulle. Et tout de suite, le procédé basé sur Monge-Kantorowicz vous fournit une décomposition, une partition en géodésique, et vous permet de localiser votre inégalité. Alors là, je le fais pour l'isopérimétrie, et ça s'adapte à d'autres inégalités aussi, quand on veut récupérer les constantes optimales. Voilà. Eh bien voilà. Merci.